les deux grandes parties ou les deux aspects fondamentaux de notre célébration de ce dimanche des Rameaux. D'une part, un cri de joie, Hosanna, Hosanna, et d'autre part, crucifie-le, crucifie-le. C'est ainsi que nous sommes. C'est ainsi qu'est notre société. C'est ainsi qu'est l'homme. Et ça dit que nous n'avons pas de parole. Et ça dit que toutes les foules sont versatiles. Et ça dit qu'il y a beaucoup d'erreurs de jugement. Et ça dit que ce procès nous instruit beaucoup sur notre vie quotidienne. Bref, je voudrais simplement ce dimanche des Rameaux nous amener à la contemplation. Quand nous lisons, quand nous entendons le récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons simplement contempler la croix. Et c'est pourquoi elle est mise en exergue aujourd'hui, pour que nous la contemplions simplement, en silence, non pas comme instrument, j'allais dire, de notre honte, ignominie, mais signe de notre salut. Et je pense à ce refrain chanté jadis, dans les travées de Lourdes, notre fierté, c'est la croix du Christ. Sauvé par lui, le Christ, vivons en ressuscité. Simplement,